il y a de la mécanique partout. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de la voir. Ça part d'un tire-bouchon, d'un couteau, d'un objet usuel qu'on utilise tous les jours. Et ça va jusque dans le domaine de l'automobile, tout ce qui est camion, aviation. Alors, les étudiants vont apprendre à concevoir puis à réaliser ces objets-là. Il y a deux voies de spécialisation dans la technique. La première voie, c'est la voie de conception. Les étudiants apprennent vraiment à dessiner, à concevoir, à modéliser, à schématiser pour en arriver à réaliser, en bout de ligne, un prototype. C'est très, très varié comme domaine. Une journée, on peut faire des blocs Lego. On peut même, deux semaines plus tard, on va pouvoir faire des excavatrices dans le foresterie. En fabrication, on va prendre ce prototype-là, puis on va l'analyser, puis on va le décortiquer pièce par pièce et étape par étape pour penser, on en veut 20, 30, 50, 100, 200, 1000. On répare toutes sortes d'équipements variés dans les machineries lourdes, des bateaux, on peut travailler sur des hubs d'hélice. On va avoir des pièces là, qui vont dans des cylindres hydrauliques. On va faire dans les pâtes et papiers aussi des rouleaux de papetière. Donc, fabrication, c'est vraiment l'aspect production série. Conception, c'est plus l'aspect développement. Les clients ont des besoins, ont des problématiques. Dans le fond, c'est d'aller étudier cette demande-là pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. Nous, on utilise principalement NX et CATIA, c'est nos outils pour faire la modélisation 3D. Un machiniste, en fabrication, va toucher à toutes les machines. Du tour à la fraiseuse, à la laiseuse, à la rectification, il va faire le tour, la scie, il va faire des travaux manuels, il va travailler avec le pont roulant, il va travailler avec le lift. Si, en arrivant sur le marché du travail, ils veulent pas travailler sur des machines, bien, ils ont tout le temps l'opportunité d'aller dans les bureaux où ils peuvent faire du développement, où ils peuvent faire des dessins, où ils peuvent faire la planification de production. J'ai été machiniste pendant quelques années. Suite à ça, je suis devenu chef d'équipe. Par la suite, après être chef d'équipe, je suis devenu contremaître. Puis maintenant, je suis présentement directeur d'usine, là. Directeur de production. Je m'occupe de toute la gestion du personnel puis du travail fait chez RMH. Dans le domaine génie mécanique, les emplois, il n'en manque pas. Tous les étudiants qui veulent aller sur le marché du travail se trouvent un emploi sans problème. S'ils veulent poursuivre les études universitaires, les étudiants ont des passerelles qui se font entre le cégep et les universités. Il y a des cours qui ont suivi ici qui vont leur être crédités. Le principal avantage de passer par la technique avant le bac, c'est d'aller chercher les connaissances pratiques avant d'aller voir le théorique. Nous, en l'ayant déjà fait pendant 3 ans à la technique, on est capable d'aller usiner des pièces, on est capable d'aller même d'aller souder des pièces, de faire des assemblages, on est capable déjà de dessiner sur des logiciels de dessin. À partir de la deuxième année, ils vont avoir des projets plus intégrateurs qui vont leur demander d'aller piger dans leurs connaissances qu'ils ont appris en première session, en deuxième session. Les meilleurs souvenirs que je garde du cégep Limoilou, c'est de loin les cours pratiques, les soirées qu'on a passées à monter nos bancs d'essai sur les bains hydrauliques. Oui, des fois, on sortait de là à minuit puis on était tannés. Mais c'était des super belles soirées parce qu'on était toute une gang à faire ça ensemble, on se supportait, puis on en gardait un super bon souvenir.